Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un délicieux dessert facile et rapide, des verrines mousse au chocolat et des verrines façon fraisier. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, tu vas venir faire fondre au micro-ondes ton chocolat avec la crème liquide et ensuite tu vas bien mélanger et laisser refroidir. Et on passe à la préparation de notre chantilly. Alors, très important, ton bol et ton fouet, tu le mets au congélateur au moins 10 minutes à l'avance. Et ton mascarpone et ta crème liquide doivent être bien froides. La crème liquide entière, 30%. La préparation va s'épaissir. Ajoute le sucre glace et laisse encore battre 2-3 minutes. Et maintenant, tu vas diviser ta préparation et tu vas rajouter le chocolat tiède. Tu vas bien mélanger. Et tu ajoutes à la deuxième préparation le chocolat blanc qui est également tiède. Pour un montage facile, tu vas mettre ta crème chantilly dans une poche à douille. Maintenant, tu vas passer à la préparation des verrines. Et pour le montage des verrines façon fraisier, tu vas tout simplement découper des fraises, tu vas les coller au bord de tes verrines et ensuite tu vas passer au montage. Et pour de jolies verrines, j'ai tout simplement lissé avec une spatule. Pour la décoration, j'ai mis un peu de pistache et une fraise, mais après c'est vraiment selon vos envies. Et tu viens remplir tes verrines avec le chocolat blanc et le chocolat noir.
après avoir fini le montage de tes verrines, tu les conserves au frigo. Vos verrines, vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours. Et maintenant, je vais te souhaiter une bonne dégustation. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus gourmandes et je te dis à très vite.